aujourd'hui d'ailleurs. Je recommence une phrase, hein, je suis désolée. Soyez indulgente. Ces derniers mois, les choses semblent s'aggraver. La rapporteure spéciale de l'ONU parle de violations systématiques et généralisées pouvant constituer des crimes contre l'humanité. Et c'est ce moment que choisit l'Union européenne pour faire de l'Érythrée un partenaire du Better Migration Management Programme et de lui octroyer 46 millions d'euros, plus 5 millions via le programme ROC, destiné à la formation de policiers et de gardes-frontières. On nous dit que le gouvernement érythréen ne profitera pas directement de ces fonds. Permettez-moi d'être sceptique, c'est simplement impossible dans ce pays de faire quoi que ce soit sans passer par le gouvernement. Quelle sera la prochaine étape? L'expulsion d'Érythréens vers leur pays d'origine? L'UE ne peut continuer à cautionner les régimes qui sont à l'origine même des migrations. Merci. Der letzte der Verfasser ist nun Herr Lars Adaktusson für eine Minute. Thank you, Madam Speaker. Eritrea.